Ok, bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Alors je réenregistre juste cette intro avant de mettre la suite du jeu, parce que le son de l'intro était un petit peu fort, enfin le son du jeu est un petit peu fort. Voilà, simplement on va s'arrêter comme ça. Voilà, donc comme ça au moins je peux vous parler. Donc ce jeu, donc déjà bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Transformis. Alors, pour cette émission Flash, pourquoi ce jeu? Alors, je vais encore réexpliquer pourquoi ce jeu. Donc simplement parce que vous savez que mes 100 premiers abonnés, les 100 premiers abonnés à ma chaîne YouTube, je les suis. Je suis mes 100 premiers abonnés. Et donc, et il y en a une en particulier qui s'appelle Celia Geekers, qui maintenant sa chaîne a été renommée Ange Cookie, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, et cette donc jeune fille, donc qui fait des speed paint sur en vidéo, donc qui fait en fait des dessins sur ordinateur et en accéléré. C'est ce qu'elle fait. Et elle joue notamment à ce jeu Transformis. Et donc, et ben, je lui ai dit que j'essaierais le jeu et que le jeu serait présenté dans une émission Flash. Par contre, que j'allais un petit peu le tailler en pièces. Parce que je n'ai pas du tout adhéré au jeu. Enfin, le tailler en pièces. Vous allez voir, hein, de toute façon, j'en parle dans le jeu. Je vais tout de suite vous faire le petit résumé. Les graphismes sont bons, le son aussi, bien qu'un petit peu fort pour l'enregistrement. Mais le gameplay, vous allez voir ça pendant la durée qui reste de la vidéo. Donc sur ce, vu que cette intro était faite en post-production parce que la première était foirée par le son du jeu, sur ce, je vous laisse savourer cette petite séance de let's play sur le jeu Transformis. Ok, alors on a droit à un petit tutoriel, donc les flèches directionnelles, les flèches du haut pour sauter, ok, d'accord. D'accord, ok, j'ai même pas eu le temps. Ouais. Alors, ouais, d'accord, oui, je dois attendre la fin de la partie. Alors, voilà, alors, pour le moment, je ne joue pas, je vois simplement ce qui se passe là à l'écran. Et donc le but là c'est d'aller choper les fromages, voilà, il y a quelqu'un qui a chopé le fromage. Il y a le chrono quelque part, faut que je... Voilà, temps restant 15 secondes, on voit ça en haut à gauche. 90, temps restant, 10 secondes, voilà, et dans 10 secondes on va pouvoir essayer. On va se retrouver sur une nouvelle map. Donc voilà, donc vous voyez, il y a... Alors je sais pas si vous voyez ma souris, mais là actuellement devant le trou de fromage, il y a un... comment ils appellent ça? Un chaman, voilà, un chaman. Et en fait, moi je suis là. Et on va essayer. YOLO! J'ai perdu. Je pensais qu'on pouvait sauter sur les... sur les trucs en vert. Mais non, en fait. Et en fait, il faut attendre que les chamans, voilà, que les chamans nous guident, parce qu'en fait, ce sont eux qui peuvent poser des objets. Des planches de bois, des trucs comme ça, des ballons, voilà. Le problème, c'est que donc nous, on peut rien faire en attendant que le chaman fasse quelque chose. Soit le chaman ne sait pas quoi faire, et on est dans la merde. Soit le chaman est un troll, et il fait n'importe quoi. Voilà, donc c'est ça qui m'a énormément gavé dans ce jeu. C'est que voilà quoi, c'est que souvent on fait des tableaux et quand c'est pas nous qui savons pas quoi faire, c'est les chamans. Donc voilà. Donc là il n'y a plus de chaman, donc les souris là, elles sont foutues, hein. Voilà, on va faire 2-3 tableaux comme ça. Alors, juste ma critique habituelle, hein. Donc au niveau graphisme, quand même, c'est pas dégueulasse.
On peut nager, on peut nager. Ok. Ah d'accord, on peut nager mais on peut pas. Ah si, ok. C'est parce que je. Voilà, je l'ai. Ah d'accord, et avec le clacos on coule. Ah, j'avais pas compris ça. Voilà, vous voyez, donc souvent on perd parce qu'on connaît pas les tableaux du tout. Et il y en a souvent des nouveaux parce que celui-là je l'ai jamais vu avant. Enfin voilà quoi, c'est. C'est un peu what the fuck hein, comme jeu, hein. Je le cache pas. Mais. Voilà quoi. Donc je disais, donc niveau graphisme, c'est pas moche, hein. Niveau musical, ça se tient. Niveau des sons, ça se tient. Au niveau du gameplay, c'est du jeu de plateforme, mais voilà quoi. Le problème du concept du chaman là, qui il faut que le chaman fasse quelque chose pour. Voilà, vous voyez là, le chaman apparemment, il a essayé de troller, il a essayé de mettre une cage au-dessus du clacos. Voilà, bon, là j'ai réussi. J'ai été chercher le fromage qui était à droite pour le ramener au trou de souris qui était à gauche. Pas bien compliqué quoi. Et donc on peut faire le trajet qu'une seule fois. On a récupéré des. Du fromage donc. Ok, là je sens qu'en haut ça va lâcher ou une connerie dans le genre. Voilà, je m'en doutais. D'accord, apparemment faut suivre la marche. Voilà. Mais le jeu se résume à ça, hein. Le jeu se résume à ça. Enfin, du moins sur navigateur. J'ai pas essayé sur Windows. Mais. Ah oui, c'est vrai, là, faut pousser le. Est-ce qu'on peut le pousser indéfiniment? Allez! Ok, moi je me tire de là avant de me retrouver en dessous. Ok, voilà, donc là le chaman a trouvé la solution. Il a. Je suis passé à travers la map! Mais regardez, on est passé à travers la map! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette merde? Pourquoi est-ce qu'ils passent à travers la map, les mecs? Mais what the fuck? Voilà, c'est ça que je reproche à ce jeu-là. Parfois, il se passe des trucs à l'écran qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas compris pourquoi là, il y a du sable. Le sable n'a pas disparu. Excusez-moi si j'ai tapé dans mon écran. Enfin, dans mon écran, dans mon micro. Comment? Le sable n'a pas disparu et on passe à travers la map. Pourquoi? Ah d'accord. Wahoo! Aïe, hé, poussez pas. Bon, Ah d'accord. Oh, nope. Bon. y a pas notre traîneau là? Il est où notre. Ah d'accord, on a plus de chaman. Bon bah c'est bon. Ah, faut prendre de l'élan. Ouais, pas trop tard. Ouais, alors là, ça. Je crois qu'il faut, c'est qu'on. Ah bah merci de pas le poser sur ma tronche. Là, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que. Ah, d'accord, ça y est.
Donc j'ai jamais joué le chaman, donc si ça tombe sur moi le chaman, par contre, moi je ne sais absolument pas quoi faire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ok. Ok, là c'est le même problème. Et là le problème c'est que... Voilà, avec le clacos il coule. Donc il faut que le chaman... Faut que le chaman nous ramène son truc. Et on a 2 minutes hein, pour faire un. Hein. J'arrive pas à sauter assez haut. Ah, attendez, le chaman essaie de poser quelque chose, mais... Ouais. Hé, galère, je suis passé en dessous. Ah, ça y est, ok. Ah, merci, c'est bon, le chaman m'a tp. Ah non, je dois créer un compte pour parler, d'accord, ok. Parce que je voulais marquer TY pour faire un petit... Mais bon. Voilà, bon la musique est sympa, hein, mais au niveau du gameplay... Voilà, et puis on retrouve souvent les mêmes tableaux. Non ça va, apparemment on joue avec une chamane là qui est pas trop... Qui est pas trop chiante. Mais comment j'ai... Comment le dernier coup que j'avais joué, que j'avais essayé le jeu, les chamans apparemment j'étais tombé sur des trolls. Hein. Mais bon. Ah ouais, d'accord. Voilà, alors pourquoi l'autre il arrive à remonter les parois? Moi j'y arrive jamais, hein. Bon, bah tant pis. Bon, on va essayer, hein, quitte à faire. Non, allez, boum, allez. Pff, non mais sérieux quoi. Ah oui, et je tiens à préciser, parce que là, le tutoriel, apparemment, je l'ai passé sans le faire exprès, mais moi, j'ai fait le tutoriel en entier avant, et je peux vous dire que comment on utilise les chamans, j'ai rien expliqué. Hein. Ouais, ben là, vous allez tous vous casser la gueule. Bon, excusez-moi, l'enregistrement a coupé. Comment? De toute façon, on va se laisser là. Mais voilà, donc pour résumer le jeu, les graphismes sont bons, la musique peut se révéler assez agréable. Par contre, le gameplay reprend un principe simple, mais donc celui du jeu de plateforme. Mais le, comment dire, le l'histoire avec les chamans là, non quoi, parce que le jeu peut être frustrant si le chaman ne sait pas quoi faire ou si c'est un troll. Et donc voilà, donc voilà, et vous savez que la frustration est pour moi un facteur important dans les jeux vidéo.
Et celui-là peut se révéler assez frustrant. Donc, voilà, puis les souris font souvent n'importe quoi. Voilà, donc je disais, ouais, parce que je sais pas si ça a été enregistré, mais le... Comment? Le comment? Le jeu est essentiellement adressé à un public féminin, apparemment. Il y a beaucoup de filles qui jouent donc à Transformice. Ok, ça se casse la gueule. Bon. Et donc voilà, mais voilà, moi ce jeu-là, j'adhère pas. Voilà, j'adhère pas du tout. Peut-être que la version PC est mieux, je l'ai pas essayé, mais. Mais voilà, je... Bon, 5 secondes, c'est foutu. Voilà, bah écoutez, bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.